Caroline Diamant, Philippe Gueluc, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jean-Bernard Hébé et Annie Lemoine. Je voudrais commencer tout de suite par la carte vitale d'eux. Il paraît que les Bretons l'ont déjà. Nous, on ne l'a pas encore reçu, la nouvelle carte vitale, avec la photo. C'est ça qui est formidable. Et c'est drôle parce que celle qu'on voit là, c'est exactement celle que j'ai dans les mains. Et je trouve que c'est un mauvais exemple, cette jeune femme qui s'appelle manifestement Nathalie Durand. Je pense qu'elle n'existe pas dans le vrai. Hein. Ça, c'est le ministère de la Santé qui nous l'a envoyée. Mais cette jeune femme, elle a fait une erreur. Il ne faut pas envoyer une photo, évidemment, où vous êtes en bonne santé. Non, parce que la carte vitale, on s'en sert quand on va chez le pharmacien. Donc, quand on est malade. Donc, il faut faire une gueule où vous êtes malade. Il faut vous foutre des boutons. Autrement, il ne va jamais vous reconnaître, le pharmacien. C'est logique. Mais vous pouvez... Alors, si c'est un problème sur le visage, ça va. Mais si c'est un problème ailleurs, vous ne pouvez pas non plus mettre une photo de vos hémorroïdes pour le pharmacien, vous comprenez. Philippe, au lieu de m'embêter, là, vous n'auriez pas plutôt... Franchement... Alors là, oui, j'étais dans la... Une grande nouvelle à nous annoncer. Mais c'était pour l'enchaînement, j'étais un peu dans la Lune, vous comprenez, Laurent. Eh bien oui, des astrophysiciens ont fait une découverte absolument formidable. Il y aurait une planète, c'est la première planète habitable, entre guillemets, que l'on aura découvert à très très loin d'ici. Il s'agit d'une planète environ... une fois et demie plus grande. Très, très loin d'ici. Je vais vous dire dans comme un instant. Comme la plupart des planètes, hein, vous savez. Non, il y en a qui sont la banlieue d'ici. Elle serait une fois et demie plus grande que la Terre. Elle pèserait 5 fois plus. Ils savent déjà un petit peu sa masse et son poids. Et sur laquelle il devrait régner une température de 0 à 40 degrés. Donc on se dit que c'est habitable, normalement, mais ne préparez pas encore vos valises pour y réserver un séjour, car il y a encore 2-3 choses à vérifier, évidemment. L'habitabilité, est-ce qu'il y a assez d'eau. Mais on ne la connaissait pas, cette planète. Non, elle se trouve à 20 années-lumière d'ici. C'est-à-dire qu'avec une fusée même très très rapide, il faudrait 1000 ans pour y arriver. Alors vous comptez 1000 ans pour aller, 1000 ans pour revenir, ça fait tout de même 2000 ans et 15 jours si vous voulez y passer 2 semaines, vous comprenez, de vacances. Oui. Non mais c'est long. Oui, c'est ce que je pensais. Mais oui. Vous voulez dire ma séquence? Oui. Non, alors c'est... C'est impétrante. C'est quoi? On l'appelle comme ça, c'est une impétrante parce qu'elle n'a pas encore de nom. Mais 13 jours pour faire le tour de son soleil à elle, là où nous en mettons 365. Ce qui veut dire que chez eux, un quinquennat dure 65 jours, c'est-à-dire 5 années solaires, si on compte en années de là-bas, ou 140 ans si on compte en jours de chez nous. Vous ferez le calcul tout à l'heure. Oui. Si la vie est possible là-bas, on peut imaginer qu'en ce moment, il y a des élections présidentielles là-bas aussi. Allez savoir. Hein? Opposant 2 candidats. Par exemple, Isocrate, le candidat de la droite, Isocrate, c'est Sarkozy à l'envers, et la candidate Layor. Mais on dit que le centriste Uoriab va arbitrer le 2e tour. Et la candidate, donc Enelogès Layor, qui est une femme, a déclaré « Je veux une impétrante plus juste et plus fraternelle ». Et Salossin Isocrate, son adversaire, a répliqué « L'impétrante, tu l'aimes ou tu la quittes ?» Ça castagne. C'est un monde fascinant. Elle fait combien de fois la taille de la Terre? 1 fois et demie. Ce qui veut dire que sur cette planète, Nicolas Sarkozy, il fait la taille de mon stylo. Jean-Bernard, dans les Arocs, il y a un truc assez rigolo, je crois. Oui, bah, je veux d'abord vous faire écouter quelques extraits de musique, après vous me direz ce que vous en pensez, et surtout si vous reconnaissez. Premier extrait. Bruce Springsteen. Alors ça, c'est Bruce Springsteen. Bravo, Elsa Fayer. Deuxième chanson. L'énorme Meatloaf, ah, extrait oui, de Bart Out of Hell. Et troisième extrait. C'est très récent, ça, déjà. Marilyn Manson? Non, pas Marilyn Manson. Qu'est-ce que c'est? Ace of Spades, de Motorhead. Ah oui, alors, qu'est-ce que ces trois chansons ont en commun? Elles font du bruit. Elles font du bruit, c'est vrai. Du man batteur.
Ils ont le même batteur, non. Même chanteur, non, bah, chanteur. Non, pas le même chanteur. Le même choriste. Non, oui, c'est chanté en anglais, mais ça n'a aucun... Très vendu. Sur 220 volts et l'autre sur 350. Non, non. Rien de tout ça. Bon, bah, je connais la réponse, alors je la donne vous pas. Vous trouverez pas, oui, non, c'est... Il y a une enquête qui a été faite aux États-Unis par je ne sais quel journal qui a vraiment pas grand-chose à faire, qui dit que ce sont des chansons qui rendent dingue quand on est en voiture et que c'est la cause d'accident. Alors moi, j'ai fait la même chose en France. Ouais. Et nous avons maintenant les statistiques. Nous savons que 43% des accidents de la route dus aux endormissements sont dus à Benjamin Biolay, Vincent Delerme et Carla Bruni. Et c'est la France, chacun son truc. Jérémy, je crois que vous avez trouvé une paire de chaussures sympa pour l'été. Eh bien, figurez-vous effectivement que je me suis intéressé à la mode, puisque la mode vestimentaire et particulièrement des chaussures pour cet été est révolutionnaire. Certains ont parié sur le retour des tongs, d'autres sur le retour des babouches, sur le retour des sabots et autres mules. Eh bien non, cet été, la chaussure à la mode pour aller à la plage, la voici, la voilà. Et c'est François qui nous présente cette magnifique paire de godasses. Bon, ça existe en différentes pointures, c'est joli, c'est nature, c'est élégant. Oui, oui, c'est mieux, ouais. C'est très raffiné, ça vous plaît, non? On peut avoir la version French manicure ou pas pour les filles? Oui, tu peux te faire les ongles si tu veux et tout ça. Mais c'est un plagiat d'un tableau de Magritte, ça. Mmh. Ah bon? C'est très précisément un tableau de Magritte qui avait dessiné des chaussures en forme de pied. Qui absolument s'appelle « On ne va pas se lasser ». C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Les plus belles chaussures sont celles de Caroline Diamant. Oh, ceux qui n'ont pas vu les chaussures de Caroline Diamant. C'est quoi? Mais si, mais moi, je suis aujourd'hui, c'est ça, on t'en profiter. J'ai mal aux pieds, bon oui, j'ai mis des trucs ridicules. Bah, c'est vraiment ridicule. Hein. Oui, on n'est pas censé voir mes pieds dans cette émission. Mais arrêtez de zoomer. Oh non, on a mal aux yeux. C'est dégueulasse ce que vous faites. Non, c'est tes chaussures qui sont dégueulasses. Enfin, on fait de la télé. Mais on ne voit jamais en dessous de la ceinture. Je suis pas animateur de la ferme, moi. Mais aussi bien, on pourrait être nu à partir de la taille, Laurent, les gens nous voient pas. Eh bien, pas. Justement. Elsa Fayère. Oui, alors ça y est. Des nouvelles de la télé-réalité et surtout des chanteurs qui voudraient devenir vedettes. Grande nouvelle, cette année, le casting se passe sur le net. Alors autant vous dire que c'est un carton plein. Déjà plus de 2500 personnes se sont inscrites et ont réalisé eux-mêmes un petit spot qui vante leur mérite et surtout leurs prestations vocales. Alors je vous ai préparé une belle brochette de stars, une belle brochette de vainqueurs. On va les regarder des gens ensemble. Qu'on n'a jamais vu donc. Alors. Ah non, ce sont de parfaits anonymes. Ils tentent leur chance et c'est aux internautes de juger et de plébisciter et certains juger, d'entre eux. Alors. On peut juger, on peut se la jouer Marianne James, Dove Attia, tout ce qu'on veut. Alors on va regarder. Ça c'est M6. Oui, mais bon, c'est pareil, c'est le même genre d'émission quand même. Caroline, c'est vous qui faites Marianne James, d'accord. On va commencer par un qui m'a fait beaucoup rire. C'est un peu le Anthony Cavana du pauvre. Il s'appelle Trail et vous allez voir qu'il a tout essayé. On va regarder tout de suite une de ses prestations. Alors Trail a plusieurs cordes à son arc. Trail chante, Alicia Keys. Écoutez bien. Trail danse aussi. Alors Usher n'a qu'à bien se tenir. La chorégraphie est faite, mais alors vraiment dans la mesure. Comme toutes les grandes stars, il a en plus ajouté une galerie de photos, parce qu'il est déjà une star, donc il nous a fait une petite galerie de portraits très sympa. On a une autre candidate, elle s'appelle Charlène, et vous allez voir, c'est une présentation un peu à la Bryce de Nice, qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Bonjour, je m'appelle Charlène, je viens de Lorraine, et je tutoie. Lady Madonna, children at your feet. Alors, Charlène, elle se met toute seule dans le placard. Elle nous interprète une version très personnelle des Beatles. Comment s'appelle déjà cette chanson des Beatles? Lady Madonna. Et on va finir par le favori du site, celui qui est le plus plébiscité. Il s'appelle Romain et vous allez voir, Romain n'a absolument rien. On écoute. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez, on n'y va pas. Voilà, il ferait bien de rester chez lui. En tout cas, c'est celui qui a le plus de connexions. Donc, c'est celui qui est le plus plébiscité en ce moment même sur le net. Il s'appelle Romain. Autant vous dire que le niveau cette année va être d'enfer. Ça fait peur, Jean-Bernard. Moi, je trouve ça pas mal, le dernier. Celui que tu détestes, je trouve que c'est le mieux de tous. Le seul reproche que je ferais, c'est peut-être la musique qui est peut-être un petit peu trop devant le chanteur. Oui. Non,
Dimanche dernier, vous le savez, s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles. Et afin d'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite à se rendre aux urnes, un artisan taxi de Locmaria Plouzané, c'est dans le Finistère en Bretagne, a eu cette bonne idée d'emmener en voiture gratuitement les électeurs les plus embarrassés pour se déplacer. Grâce à son initiative, Jean Coate, le taxi en question, a permis aux habitants de sa commune d'aller voter et de contribuer ainsi au record de participation au scrutin. Bon, on dirait à son échelle à lui, mais quand même. Et il a promis en plus qu'il recommencerait pour le deuxième tour et même peut-être pour les législatives. La seule condition, c'est que les gens qu'il transporte votent comme lui. Non, je raconte. Il va tout de suite nous raconter comment ça s'est passé lors du premier tour. Voici Jean le taxi. Bonsoir Jean. Salut Laurent. C'est donc en Bretagne que vous êtes taxi artisan. Le seul de votre village ? Je suis le seul du Padelin, donc à 15 km de Brest. À 15 km de Brest, combien d'habitants ? 5000 habitants. 5000 habitants. Mmh. Combien sont montés dans votre taxi pour le premier tour ? Donc on avait 38 personnes qu'on a emmenées au bureau de vote. Et pour 3700 inscrits, ce qui correspond à 1% donc des inscrits aux urnes. Et évidemment, vous ne les avez pas fait payer ? Non. C'était gratuit. Gratos. En même temps, c'est uniquement pour ceux qui ont du mal à se déplacer. Pour ceux qui ont du mal à se déplacer, certains n'ont pas de moyens de locomotion. Ah, aussi. Se trouve à 3-4 km des bureaux de vote. Et justement, pas bête. Quand nos élus parlent de continuité territoriale, moi je crois qu'on est loin du compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vous ont dit après être allés voter. Est-ce que vous avez eu des commentaires ? Oui, bien sûr, on a eu des commentaires. Je me souviens particulièrement d'un monsieur. C'est très poignant qu'il me dit « Si vous n'étiez pas là, jamais je serais allé voter. » Et est-ce que vous savez pour qui il a voté ? Non, je ne sais pas pour qui il a voté. Parce qu'autrement, peut-être qu'on s'en serait passé qu'il aille voté, ce monsieur. Mais dans votre village, qui est arrivé en tête, par exemple ? Sarko. Sarko, ouais. À combien de pourcents ? Sarko est arrivé 29%. Ah, oui, et Ségolène Royal ? Ségolène est tout de suite derrière, est à 25-26, je crois. À 25-26, oui. Ouais. Et Bayrou qui est à 18 ou 19. Ah oui, très proche de... Ah, c'est très, très représentatif, alors, tout finalement. Fait. C'est une belle initiative qui vous fait sourire. Oui. Mais oui, parce qu'à la fois, je trouve ça formidable et en même temps triste. Je vais vous expliquer pourquoi. Formidable parce que vous faites preuve de générosité et voilà, c'est un bel acte citoyen. Et en même temps triste parce que ces gens-là n'ont pas de famille, ou n'ont pas d'amis pour les déplacer. Moi, j'ai aidé une amie âgée à voter un jour. C'est un très joli souvenir pour la conversation qu'on a. Alors, ce sont des gens qui sont vraiment isolés à ce point. Mais les gens sont isolés. Vous vous souvenez quand même qu'en 2003, il y avait eu la canicule. Ouais. Tout le monde s'était inquiété de ce qui se passait. Ouais. Mais ici, le problème est exactement le même. Est-ce que la mairie, par exemple, devant ce bel acte citoyen, s'est dit « on va vous rembourser vos frais d'essence », par exemple ? Ça fait 38 par 2, ça fait... 38 par 2, ça fait 86 le double de 38. 86, non, 86, 86, 76 trajets. Ah, au lieu de dire des conneries. 76 trajets. Non, mais on vous propose même pas un... Mais le maire de la commune, que j'ai eu au téléphone hier, justement, a pris l'initiative d'envoyer un courrier au président du conseil général pour demander ce que soit financé ce type de transport. Donc, c'est le conseil général du département qui est en charge. Ça ne coûte rien d'envoyer un courrier. Ils sont toujours très forts pour faire envoyer une lettre à quelqu'un pour qu'il paye à sa place. Il n'a pas suffisamment de pouvoir pour décider. C'est le conseil général qui a compétence en matière de transport. C'est votre épouse qu'on voit sur la photo ? Oui. Ça ne l'a pas inquiété comme ça que vous transportiez autant de gens dans une journée tout un Ah non, mais ça n'inquiète pas du tout. Pas du tout. Mais elle m'a donné un coup de main. C'est son métier en même temps. Elle ne va pas être inquiète justement dimanche. Oh, tu vas transporter plein de gens. Et trouvez-en des questions, vous. Non, mais attendez. Et vous, votre famille, elle n'est pas inquiète que vous soyez tous les jours à la télé, vous. Elle n'est pas inquiète que vous disiez des conneries du matin au soir. Elle est inquiète que vous soyez sur ce plateau en même temps que moi, Philippe Guenoux. Non, mais je comprends. Voilà pourquoi elle est inquiète, sa famille. Salut, votre famille. Jérémy. Eh ben moi, je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Il faut savoir que ça a donné des idées à d'autres personnes. Par exemple, le 6 mai, si vous allez en Corrèze, vous allez voir qu'il y a une vieille dame qui a aussi une bonne idée pour déplacer les gens en taxi. La voici, la voilà. C'est Bernadette. En revanche... Et une moins bonne idée, c'est qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui a un petit peu calqué votre initiative. Lui, il a proposé un taxi pour toutes les personnes immigrées qui avaient envie de voter. Alors, si vous voyez le taxi de Jean-Marie Le Pen, ne montez pas dedans. Surtout pas.
Écoutez, c'est une belle initiative. Vous recommencerez pour le deuxième tour et même pour les législatives. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes une star dans votre commune maintenant. Est-ce que la gazette, la fleur de chou dans laquelle vous aviez mis votre petite annonce, vous a fait une pleine page? Une feuille. Non, c'est pas la fleur de chou, hein, c'est la feuille de chou. Oui. Même si c'est pour laisser les choux-fleurs. Non, il y a trois lignes. Trois lignes dans la feuille de chou, c'est tout. Vous allez me les prendre en stage. Eh bien, en tout cas, pour le 6 mai, dans votre voiture, il y a une autoradio dans votre voiture. Vous pourrez peut-être mettre un de ces trois CD, parce qu'on va vous en offrir un, mais d'abord, il faudra écouter l'avis, évidemment, éclairé de Jean-Bernard Hébé. Les CD de la semaine. Et on commence par Patti Smith, Jean-Bernard. Exactement, Patti Smith avec un album qui s'appelle 12. Alors ça y est, la vieille sorcière est de retour, vous allez la voir quand on verra les images. Et la vieille sorcière a effectué un miracle, c'est que maintenant ça y est, elle sait chanter. Donc, elle aura mis 40 ans, mais maintenant ça y est, elle sait chanter. Alors elle a fait, ce ne sont que des reprises de vieilles chansons qu'elle adorait. Il y a du Beatles, il y a du Stones, il y a du Dylan. Il y a aussi des choses plus récentes comme Tears for Fears, comme Nirvana, ce que l'on va entendre, une chanson de Stevie Wonder. Et elle pète le feu, la fée Carabosse. Écoutez. Différentes versions par Patti Smith. Been looking in their minds for the day that sorrow's gone from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Who of them will come to be? Allez. C'est les miens, Spider-Man. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on croirait Lenny Escudero, Patti Smith. Ou André Glucksmann sur la dernière photo. Mais c'est pas mal, en tout cas. Elle a une voix intéressante, Patti Smith. Absolument. Caroline. Écoutez-moi, honnêtement, alors je qui suis fan hystérique de la version originale, ça m'a pas ému du tout. Gueluc. Ah oui, moi je prends. Si Jean le taxi prend pas, je prends. On va passer à Coco Rosier. On en a parlé ici même, hein, parce que la presse branchée alors, a fait des pages et des pages sur ces jeunes femmes qui vendent d'ailleurs pas mal ce nouvel album. Jean-Bernard. Bon, alors, vous connaissez la grande théorie qui veut que si on donne une machine à écrire à un singe, il y a une chance sur 100 millions pour qu'il écrive l'œuvre complète de Shakespeare. Eh bien là, on a fait à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a donné des instruments de musique à deux guenons et effectivement, elles ont réussi à enregistrer à peu près un roman de gare. Alors tout le monde s'extasie parce qu'il y a un petit bout de musiquette qui n'est pas désagréable et qui se vend. À part ça, écouter tout un album, c'est insupportable. Elles sont américaines. Elles sont américaines, elles vivent en France et c'est insupportable. De Guenon. Tout un album. Et toi, Gorille, alors, de Guenon, mais tu parles de chanteuse charmante, de Guenon. Mais pourquoi tu prends toujours la défense de tout ce qu'il y a de pire? Je n'aime pas qu'on insulte les gens, qu'on les maltraite. Tu les connais pas, de Guenon. C'est un procès de quoi? Sur leur gueule? Non, c'est pas un procès sur leur gueule. Qu'est-ce que tu veux? Regarde comment elles s'attivent, tu vas voir comment elles chantent. Il n'y a que la bimbo qui te séduit. Mais non, il n'y a pas que la bimbo, sinon je me foutrais de ta gueule. Enfin, écoute. On regarde Coco Rosier. Coco Rosier. Coco Rosier. Coco Rosier. Coco Rosier. Spécial, comme dirait. Hein. Mais vous aimez ça, Annie? Mais oui, je trouve qu'elles ont du talent, j'adore l'album. Michalak? Non, moi j'aime pas du tout, mais il paraît en revanche que c'est l'album préféré de Marie-Georges Buffet. Ah oui? Oui, parce qu'un communiste qui appelle à voter socialiste, on appelle ça un Coco Rosier. C'est joli, c'est leur nom. On termine par Keren Ann, le nouvel album de Keren Ann. On se souvient que c'est elle qui avait participé, entre autres, au retour d'Henri Salvador. Absolument. Alors, c'est pas un album. C'est une ambiance, c'est un culte, c'est un parfum, c'est une maladie qui peut être contagieuse d'ailleurs. Il devrait y avoir un tampon dessus. Attention, peut engendrer la mélancolie, mais c'est assez beau. C'est réussi. Ah, c'est un bel album. On regarde, Keren Ann. Annie, le premier, cher Jean-Bernard, était mélancolique, mais absolument pas celui-là. Ouais.
Depuis quand t'es critique musicale? Je veux dire, t'as deux bananes dans les oreilles depuis 40 ans. Quoi? Et tu viens nous parler mais de musique. Mais c'est qui ce type? Ah, je suis pour rien, moi. C'est peut-être à cause des bananes dans l'oreille qu'elle a pas aimé votre allusion au guenon. Mais non, mais qu'est-ce que tu... Je suis désolé. Ça, c'est drôle, Gueluc. Philippe? Alors, moyen. Sur cet extrait, je peux pas juger. Je vais écouter l'album entier, mais je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. En tout cas, Locmaria Plouzané, vous allez passer pour un branché avec ça dans votre taxi. Il faut choisir un des trois, après avoir eu les notes pour chaque album, évidemment. Absolument. Alors, on commence par le premier disque que l'on a entendu, Patti Smith. 3 plus. Ah oui, 3 plus. 3 plus pour celui-là. Patti Smith. Hein. Retenez bien, Jean. Coco Rosie, plus, mais un seul, mais un plus. Un plus, quand même, pas mal. Et Karen Anne, 2+. 2+. Ouais. Alors, qu'est-ce que les clients de votre taxi à Locmaria Plouzané vont entendre à partir de demain? Patti Smith. Patti Smith. Vive le rock. Vous mettez ça à fond la caisse, vous verrez, les résultats au second tour seront bien différents. On vous l'offre. Merci, Jean Taxi. Merci. Et bon retour dans le Finistère. Merci. En révélant récemment avoir été agressée et violée pendant des années par son entraîneur, une ex-championne de tennis, Isabelle Demongeot, a brisé un énorme tabou sur la violence sexuelle dans le sport. Et oui, ça existe. À l'heure actuelle, une seule étude sur le sujet a été effectuée en France et on ignore dans quelle mesure ce phénomène est hélas répandu. Précisons que forcer un athlète à faire pipi dans un bocal ne relève pas là de l'agression sexuelle, mais bien du contrôle antidopage. Là, on est sérieux, ça existe dans les autres pays. Il y a des tas d'études sur le sujet. Chez nous, en France, on est en retard. C'est en tout cas ce que va nous expliquer un sociologue à l'Université Lyon 1, spécialiste de ce genre de choses, non pas d'agressions sexuelles, mais des études sur les agressions sexuelles et surtout sur le sport. Il y a quelques années de ça, il avait d'ailleurs publié « Sport et virilisme ». Voici monsieur Philippe Lyotard. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ouf, à l'université Lyon 1, c'est bien ça? C'est exact. Et vous aviez publié il y a quelques années ce petit livre sur le... Pourquoi virilisme? C'est Ségolène Royal qui vous a donné le terme? Non, mais c'était en fait une réflexion qu'on avait menée sur l'arrivée des femmes dans un monde masculin. Et on en expliquera peut-être tout à l'heure que la question des violences sexuelles est liée en grande partie à un comportement machiste, à un comportement viril. En tout cas, cette affaire de cette joueuse de tennis, qui bien des années plus tard, puisqu'elle a attendu effectivement d'avoir 40 ans, a dénoncé son entraîneur, ça ne vous a pas surpris et étonné? Non, parce que c'est une affaire qui ne fait que traduire des mécanismes et des choses qu'on a déjà malheureusement observées il y a maintenant presque 10 ans. Et les différents témoignages qu'on a pu obtenir de différentes athlètes traduisent les mêmes difficultés à sortir, à expliquer les violences subies. Et parfois même, les athlètes préfèrent quitter le sport, préfèrent garder le secret, le silence, parce que c'est très difficile pour elles dans cette situation de pouvoir rendre public. Et encore là, on a affaire à une athlète de très haut niveau. Les affaires ne concernent pas seulement le haut niveau, malheureusement. Et là, pour une affaire médiatisée, il y en a de nombreuses autres qui restent secrètes. Attention, pour l'instant, l'entraîneur est encore présumé innocent. Hein, ça va de soi, puisque le jugement n'a pas encore rendu son verdict. Je ne suis pas juge, hein, par ailleurs, donc je ne me prononcerai pas sur l'affaire. Vous dites surtout que le sport n'a pas fait le travail qu'a fait l'Éducation nationale ou l'Église. C'est vrai que maintenant, de tels actes sont souvent révélés quand il s'agit du milieu, on va dire, ecclésiastique ou du milieu de l'Éducation nationale. En revanche, dans le milieu sportif, pour l'instant, il y a une sorte d'omerta là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler sur ces histoires malheureuses, il y avait une sorte de, non pas de déni, mais en tout cas de dérision. C'était pour s'amuser, c'était pas très grave, c'était des amusements qui avaient dérapé, c'était un bizutage qui est allé un peu trop loin. Donc il y a une sorte tout le temps de dérision du côté des hommes. Et ça pose un problème dans un monde masculin, bien sûr. Jean-Bernard Rébé. Écoutez, moi j'ai lu votre livre qui est très très long, qui est très 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 sérieux, qui est souvent très 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 chiant, mais qui est très bien documenté. En fait, vous faites une chose, une œuvre de salubrité publique, c'est que vous enfoncez des portes ouvertes, et il est bon de temps en temps de le faire. C'est vrai que dans la société, il y a des rapports de maître et non pas d'esclaves, mais d'élèves, et qu'effectivement, comme dans l'armée, comme dans l'école, comme dans les bureaux, on en parle souvent, il y a des rapports de dominant à dominé. Là où ça change tout, et que vous expliquez très très bien d'ailleurs, c'est que
dans le sport, on a un rapport avec le corps et que l'entraîneur, il a une relation physique avec la personne qu'il est supposé entraîner. Et c'est là où c'est une histoire horrible parce que effectivement, la jeune élève est sous la coupe de son entraîneur. Mais en fait, au bout du compte, ce que vous racontez, c'est des histoires de gros cons. Des types qui font ça sont des types éminemment méprisables de se servir de ça. Mais ce que vous décrivez, c'est un comportement de humain. Et donc, quand on dit que parce qu'on va mettre des femmes entraîneuses, ça ne se passera plus, est-ce que les femmes seront meilleures entraîneuses que les hommes? Je ne sais pas. Comment vous pensez qu'on va arriver à codifier cela? Moi, c'est ça dont j'ai peur. La question que vous posez est intéressante. Est-ce qu'on va mettre des femmes meilleures entraîneuses que d'hommes? On met des entraîneurs hommes, en général, par rapport à des résultats en matière d'efficacité sportive. Alors, ça ne veut pas dire que les problèmes seront réglés. En termes de résultats, en termes de comportement, en revanche, il est admis que s'il y a une présence féminine, les choses se passent autrement. Par exemple, la Fédération anglaise de triathlon, il y a déjà 10 ans, a imposé, dans le cadre des stages nationaux mixtes, donc avec des athlètes garçons et filles, la présence systématique d'un cadre technique femme. Tout simplement parce qu'on sait que s'il y a une femme, il sera peut-être plus facile pour les filles victimes de pouvoir parler de ce qui leur est arrivé. Annie Lemoine. Moi, j'ai du mal à parler sereinement de ça parce que j'ai subi une agression de cet ordre-là dans un lieu sportif, c'était dans un lycée, et c'était une femme, c'était une professeure d'éducation physique et sportive. Elle m'a abîmée, tout simplement. Donc c'est bien que vous fassiez ce genre d'études et que vous expliquiez le mécanisme, parce qu'à partir du moment où quelqu'un, homme ou femme, a une autorité sur vous, dans un lycée, dans un stage de sport, à un haut niveau, n'importe où, il y a un phénomène qui se produit, il ou elle devient une sorte de gourou, enfin a un ascendant psychologique. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme garde-fou? Ben, il faut en parler et juste que les parents, que les amis, enfin que le silence ne règne pas et que les gens se sentent alertés si les résultats scolaires sont moins bons, s'il y a des choses, il y a des signes. Donc moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est que vous décriviez ça, cet ascendant psychologique que prend le professeur ou l'entraîneur. Ce qui est terrible, c'est que moi, j'avais évidemment entendu dire des parents dire « Je suis inquiet de mettre mes enfants en colonie de vacances, je suis inquiet de mettre mes enfants parfois même au catéchisme. » Mais au sport, ça ne m'était jamais venu à l'idée que ce genre de choses pouvait arriver. Vous qui êtes mère de famille, Elsa Fayère. Non, j'essaye de ne pas trop y penser, parce que si on commence à se mettre dans une espèce de paranoïa, on ne fait plus rien. L'essentiel, c'est de dire à ses propres enfants à quel moment ça devient quelque chose de limite et à quel moment on est en train de toucher à des choses auxquelles il ne faut absolument pas toucher. Alors, quand je vous entends, j'ai envie de réagir à plein de choses, mais c'est vrai que la question du contact, comme vous en parliez, et toutes les jeunes filles interrogées font apparaître qu'elles n'ont jamais su vraiment à quel moment ça a glissé entre un contact technique, une main placée sur le bassin pour faire sentir une position, une posture, un appui, et puis une main qui va rester un petit peu plus longtemps, qui va effleurer une caresse, etc., etc. Donc c'est cette difficulté aussi à saisir le moment où ça dérape, sachant que la personne, en l'occurrence l'entraîneur, est quelqu'un à qui les parents ont délégué autorité. Ouais. Et quand on voit que des championnes françaises peuvent être déscolarisées à 14 ans pour obtenir des médailles 6 ans ou 7 ans plus tard, alors c'est bien pour la France, mais ça me pose des questions en termes de, peut-être de liberté et d'épanouissement de la jeune fille. Il ne faut quand même pas faire peur à tous les parents, hein, parce que faire du sport, c'est quand même très très bien, et d'inscrire ses enfants au sport, c'est quand même... Il ne faut pas diaboliser, bien sûr. C'est quand même formidable. Caroline ? Il y a plein de gens qui ont un ascendant sur nous. Quand j'étais jeune, mais déjà une jeune femme, 22, 23 ans, j'allais chez le médecin. C'était l'autorité absolue. D'accord. Le nombre de fois où on m'a demandé de retirer ma culotte, je sais encore aujourd'hui même pas pourquoi. Non, mais c'est pour ça cette habitude alors. Non, surtout chez le dentiste. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à coup, vous vous dites c'est un médecin. Il a rien fait de mal, un coup, mais vous ne remettez pas en cause, on n'ose pas remettre en cause beaucoup de choses. Alors vous dites qu'il y a un code qui est distribué maintenant, mais dans les fédérations, pour expliquer un code de bonne sur la sexualité. Vous en parlez, en tout cas la presse en parle. Alors, pour les codes, il n'y a rien en France, il y a très peu de choses. Et la preuve, c'est que le ministère des Sports considère qu'il n'y a pas lieu de faire d'enquête particulière, puisque ce n'est pas spécifique au sport. Donc le sport, ça peut être un des lieux où, justement, on ne veut surtout pas s'interroger sur ce qui s'y passe. Mais il me semble important de s'interroger, justement, et peut-être s'interroger aussi sur les raisons d'un retard qui fait qu'on ne parle jamais de mauvais traitements auprès des jeunes enfants de 6, 7 ans qui font de la gymnastique, de la natation, du tennis en France. Il y a eu un colloque à Nîmes au mois de septembre.
Sinon, on n'en parle pas. Donc la réflexion me paraît incontournable. On trouve encore votre ouvrage? Vous pouvez l'obtenir en consultant le site de la revue Quasimodo sur Internet. Voilà, édition Quasimodo, sport et virilisme. On vous remercie, Philippe Lyonnard. Merci, Laurent. Avant nos deux dernières invitées, c'est temps de passer aux photos du jour. C'est parti. Et on commence par cette photo de Madame Chirac et sa fameuse 205 Peugeot rouge, qui date donc de 1984, Alexa. Puisque cette voiture figure dans le patrimoine du chef de l'État, patrimoine qu'il se doit de publier en fin de mandat, c'est une obligation, patrimoine qui s'est appauvri, nous dit la presse, patrimoine de Monsieur Chirac, qui serait passé de 1,72 million d'euros en 2002 à plus seulement que 1,4 million d'euros aujourd'hui. Et ça, c'est normal, hein. Bernadette, il va la revendre moins bien qu'il y a 12 ans, c'est sûr. Jean-Bernard. Il a fait comme l'ensemble des Français sous son règne, il s'est appauvri. Ça paraît étonnant quand même que le patrimoine non, ce soit... Non, il a donné un appartement à sa fille qui habite rue de Seine dans le 6e arrondissement. Voilà alors. Voilà, c'est une donation. Et puis ils ont dû acheter des oranges en prévision de ce qui va se passer après. Et puis là, il n'y a pas tout, parce que là, il y a la 205, mais il y a aussi une 103 SP, un vieux costume pied de poule et une canne à pêche. Mais ça, il ne l'a pas dit. Elsa. Oui. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que le Parisien nous révèle que l'appartement qu'ils vont habiter, juste après être parti de l'Élysée, est en fait un prêt, voilà. Puisque c'est l'appartement de la famille de Rafik Hariri, qui est le Premier ministre libanais, qui a été assassiné. Donc, ils n'ont même pas ni loué, ni acheté un appartement. Ils sont chez l'habitant. Je trouve ça génial. Oui, et c'est très drôle, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'avait pas anticipé son départ de l'Élysée. Donc, peut-être pensait-il rester. Ah, il n'avait peut-être pas trois dernières fiches de salaire à présenter. On passe aux photos du sacre du premier tour vu par VSD avec Nicolas Sarkozy d'un côté et Ségolène Royal de l'autre. À 51-49, nous dit Le Figaro ce matin, rien n'est joué, c'est le dernier sondage. Tout est dans les mains, en fait, de celui qu'on appelle maintenant François Parou. Bah oui, c'est vrai, ça lui va bien finalement comme surnom, François Parou. Ni droite, ni gauche, mais alors Parou. Et c'est vrai, Gueluc. C'est vrai qu'il va être un petit peu l'arbitre du second tour, mais je voudrais qu'on regarde la une du Parisien de ce matin, François Bayrou. Est-ce que la couleur de fond vous fait penser à rien? Regardez, vous rajoutez ceci. Et il est l'arbitre de Roland-Garros qui va démarrer bientôt. Vous êtes souvent moqué de moi sur mes analyses politiques. Oui. Je voulais simplement vous montrer et montrer aux téléspectateurs ce que je vous ai dit il y a... 2 mois maintenant, puisque c'était au début du mois de mars, presque il y a 2 mois. Vous vous souvenez, nous avons reçu Maurice Leroy, qui est un des conseillers les plus proches de François Bayrou. Qu'on a vu dimanche soir sur les plateaux, d'ailleurs. Voilà, et je lui posais à l'époque la question que tout le monde se pose aujourd'hui, et je faisais d'ailleurs également la réponse, comme souvent. Regardez. On va revoir. Jean-Bernard Aimé. Alors, je vais vous poser une question qui est toute simple. Je vais vous dire quelque chose et vous me direz si je dis à votre place ce que vous ne pouvez pas dire. Au moins, je dis tout, soyez prudent. Alors, tout le monde aujourd'hui dit, mais au deuxième tour, pour qui va-t-il appeler à voter? En fait, il s'en fout complètement, car son problème aujourd'hui, c'est que qui est l'homme qui détient la clé des futurs, de la future vie politique française? C'est François Bayrou, parce qu'avec 20% ou 15%, il va pouvoir faire la différence parce que lui, il a un vrai parti derrière lui, il va avoir des vrais députés derrière lui à cause des législatives. Et même s'il n'est pas au second tour, ça n'a aucune espèce d'importance parce que pendant 5 ans, c'est lui qui pourra, comme il n'est affilié ni à la droite ni à la gauche, faire voter ce qu'il veut, comme il veut. Et comme il n'a que 55 ans, il se prépare déjà pour les présidentielles de 2012. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison sur tout ce que vous venez de dire. Et, pardon, mais j'aurais pu le dire aussi. Ah ben voilà, vous aviez raison pour une fois. Alors, d'autres photos qui font plaisir à voir dans les hebdos cette semaine, c'est d'abord cette photo du baiser entre Nicolas et Cécilia, c'est dans VSD. Alors, on se dit que ça doit être une photo un peu volée, mais heureusement, Paris Match nous montre des photos plus officielles, cette fois avec ce commentaire « Cécilia, radieuse, revient enfin en pleine lumière ». On nous dit ça comme si elle avait été enfermée dans une cave pendant plusieurs jours. C'est assez curieux, quand même. Alors, côté Royal Hollande, parce que les deux derniers candidats sont évidemment traités également dans Paris Match, c'est bien normal. Côté Hollande Royal, celui qui devient la vedette de la famille, c'est le fils Thomas. Aucune photo de François Hollande dans le carnet de photos de Paris Match. Alors déjà qu'il s'est fait piquer
la vedette par sa compagne, Ségolène. Maintenant, par son fils, Thomas. Et mieux même, dans Paris Match, cette semaine, une page entière sur sa belle-mère à François Hollande, puisque dans Match, on nous montre la photo de Madame Royale, mère, allant voter dimanche dernier. Alors, le pauvre Hollande, c'est à se flinguer. Mais la meilleure photo dans Paris Match cette semaine, c'est celle-ci. Regardez, François Bayrou, que quelqu'un a manifestement oublié au milieu des caddies. Sa famille est priée de venir le rechercher à l'aéroport. Gueluc. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que moi, j'avais un autre document qui était un dessin que les grands esprits se rencontrent. Là, c'était dans un caddie supermarché. Le petit François attend sa famille politique à l'accueil. C'est exactement c'est ça. C'est la même idée. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Allez, on quitte la politique française pour le dernier hommage des Russes à Boris Eltsine, puisque c'est deuil national aujourd'hui en Russie. De nombreuses personnalités comme Bill Clinton et George Bush père sont d'ailleurs sur place. La cérémonie est sponsorisée par Smirnoff et en clin d'œil à sa mémoire, 6 roses ont été déposées sur le cercueil. J'ai des autres documents, mais pour vous montrer les affres du dessinateur qui doit traiter d'un tel sujet, je vais vous demander par quoi. Parfois, il faut faire un choix. Première idée, mise en bière d'Eltsine. Eh ben, c'est pas de refus, dit-il. Deuxième idée, mise en bière d'Eltsine, il dit j'aurais préféré une vodka ou une mise en vodka. Et troisième, Eltsine ne sera pas embaumé comme Lénine, mais conservé dans l'alcool. Je prends les trois. Une petite chose, c'est un titre qui ne vous avait pas échappé dans Le Parisien, sur le football, Caca Superstar. Eh bien, ça a mené à des scènes inimaginables dans les rues, sur les trottoirs de Paris. Regardez plutôt. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe. Superbe match hier soir, hein. Milan AC contre Manchester United. Merci Philippe. En ce moment, au Théâtre 13 à Paris, se joue Le Mandat, une pièce du russe Nicolai Yerdman, avec entre autres à l'affiche Claire Nadeau et Françoise Lépine. Je dis entre autres parce qu'ils sont nombreux sur scène. Cette pièce, aux allures de farce politico-burlesque à mi-chemin entre le vaudeville français et les offres de Tchekhov, nous raconte l'histoire d'une famille bourgeoise ruinée par la révolution bolchevique dans la Russie des années 20. Détrompez-vous, c'est très drôle. Pour parler de cette pièce, Le Mandat, accueillons deux des comédiennes, Claire Nadeau et Françoise Lépine. Vous allez bien? Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Au Théâtre 13. Je n'ai pas cité tous les comédiens qui jouent dans Le Mandat, parce que alors, vous êtes une tripotée, dites donc. Oui, alors, hein. Mais 15. 15 sur scène? Oui. Mais c'est une pièce qui n'est pas rentable. Du tout. Ça ruine totalement les producteurs. Mais vous êtes payé quand même? Non. Non plus. C'est bien pour ça qu'on est dans le subventionné. Ah, mais oui. C'est pour ça. Sinon, dans le privé, c'est pas possible. 15 plus les musiciens ou y compris non, les... Non, y compris. 15 y compris, oui. Parce qu'il y a aussi les musiciens du groupe... Pat Brapat Bougica. Bravo, je n'ai jamais réussi à le dire. Ah, ça, je dois dire que je ne vais pas me lancer dans les noms des personnages. D'ailleurs, vous jouez, Françoise Lépine, vous jouez quel personnage, vous? Tamara Léopoldovna. Pas si mal. Claire Nadeau. Comment elle s'appelle? Nadia. Je m'appelle pas beaucoup, moi, dans la pièce. Non, Nadiezhda Petrovna. Ça, c'est vrai. Nadiezhda Petrovna Kuliachkina. Nadiezhda Kuliachkina. Ah, ben ça doit être ça, alors. Oui. Alors, ça veut dire quoi, Kuliachkina? C'est son nom de famille, comme Gueluc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonheur en flamand. Et tac, ben, pareil. C'est la même chose. C'est en tout cas cette Nadiezhda Kuliachkina, une bourgeoise ruinée. Eh bien oui, comme beaucoup de cette classe sociale à la révolution bolchevique, n'est-ce pas? Parce que c'est une vieille pièce, cette pièce. C'est une pièce écrite à l'époque, dans les années 20. Oui, puisqu'il dit 7 ans après la révolution, en 1924. Et ça a eu énormément de succès à l'époque. Et puis, dès que le camarade Staline est arrivé au pouvoir, eh bien, la pièce a été interdite et l'auteur envoyé en Sibérie. Et c'est la première fois qu'on la joue en France? Je crois qu'elle a été rejouée dans les années 80. Ah, enfin bon, elle est pas souvent jouée. Alors, résumez-la. Alors, je résume. On est dans la banlieue de Moscou. Voilà. On moule un rouge. Bah si, quand même. Oui, alors donc... Vous le savez pas? Non. Donc cette femme est ruinée, c'est une commerçante. Oh là là. Donc elle veut marier sa fille... ça a l'air bien, en tout cas. Un riche nanti. Je veux bien que c'est super. Un riche nanti. Et le riche nanti, qui lui n'est pas encore ruiné, veut en contrepartie avoir un communiste pour le protéger des autorités. Et donc elle dit mon fils va entrer au parti, puis je vous le donne en dot. Voilà. Mais c'est une pièce très drôle. Bah oui. Écoutez. Regardons un extrait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là.
Avant, on pouvait prier autant qu'on voulait, mais maintenant, il paraît qu'ils vont prendre un impôt prière. Alors, avec leur système, moi, je devrais me ruiner pour assister à l'office. Eh bien non! Quand on croit sincèrement, on peut prier gratuitement. Mais je vous promets, Nadia Petrovna, que mon mari n'est employé nulle part. Ah, mais il se trouve qu'on n'a pas le droit de vivre sans emploi. Mais permettez, s'il avait un emploi, ça voudrait dire qu'il devrait travailler. Et s'il se mettait à travailler, comment pourrait-il gagner de l'argent? Tous les matins, mon mari me dit « Tamurushka, tushuchka, maïa ». Regarde un peu par la fenêtre, voir si le pouvoir soviétique, par hasard, va être pris fin. Tous les matins, je lui dis « Non, on dirait qu'il tient bon ». Eh bien, tous les matins, il me dit « Baisse les rideaux, on verra demain ». Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas venu en costume. Ah oui. À la prochaine fois, on vous fait venir en costume. Non, il fait trop chaud. Elsa Feuillère est allée voir la pièce. Elle va peut-être plus facilement nous parler du contenu. Oh, oui, je me vends. Autant vous dire que lorsqu'on m'a dit une pièce qui parle de la Révolution russe, j'étais pas forcément passionnée par le sujet. Mais alors, mais c'est un régal. Il fait un poil chaud dans la salle, je dois bien vous dire. J'ai eu beaucoup de compassion pour vous sur scène parce qu'on tombait tous comme des mouches. Mais il faut dire que le spectacle vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est extraordinaire. D'abord, c'est drôle à en mourir. N'emmenez pas vos grands-parents. Quoi, ah non, mais à moins que la clim soit rétablie, ce que je vous souhaite, parce que vu les costumes sur scène, ce serait quand même pas mal. Sinon, c'est drôle à en mourir. C'est satirique. Il y a une ambiance de fin de règne. Ça m'a un peu fait penser à Papy fait de la résistance dans l'humour. C'est grinçant, c'est soigné. Les acteurs, alors je connaissais pas les autres acteurs, mis à part vous deux que j'avais déjà vu dans différents films, mais faut dire que les acteurs sont assez incroyables. Ils se déplacent un peu comme des mimes. J'avais jamais vu ça sur scène. D'abord, ils sont super nombreux. Il y a 15 personnages sur scène, avec les musiciens compris, qui n'arrêtent pas de jouer et qui ponctuent les dialogues avec des petites sonorités comme ça. Extrêmement bien fait. Et alors, votre fille, moi, qui m'a fait mourir de rire, Claire Nadeau, qui a un petit croisé entre Javotte dans Cendrillon, Nelly Olson dans La petite maison dans la prairie, Emma Falda, pour ceux qui ont connu le dessin animé. C'est elle qu'on voit là, voilà, sur la photo. Une espèce de surexcité, moche à mourir, qui n'attend qu'une chose, c'est de se marier pour pouvoir sauver la famille de cette ruine. En fait, on se dit que c'est très, très difficile d'être riche quand il ne faut plus l'être. C'est aussi difficile d'être riche quand il ne faut pas l'être que d'être pauvre quand il faut être riche. C'est, voilà, je me suis régalée, je me suis amusée du début à la fin. Vous êtes des comédiens, qu'est-ce qui se passe, Laurent? Vous avez fait une bêtise? C'est comme moi, il arrive à monter sur scène. J'avais perdu les horaires. Les horaires étaient partis. Ah oui, c'est à 20h30. C'est à 20h30. Pas tous les jours, le jeudi et samedi, c'est à 19h30, par exemple. Voilà pourquoi il était important que je... cette feuille que j'avais perdue. Voilà. Le dimanche à 15h30. Et le dimanche à 15h30. Il y a quand même un truc, mais alors, vous, Claire Nadeau, sur scène, vous êtes à mourir de rire. Vous également, c'est incroyable. Quand vous débarquez sur scène, vous n'êtes pas là tout de suite. Et quand vous arrivez, on a envie d'applaudir tout le temps. Quoi. Oh, il y a une fraîcheur, il y a un truc qui débarque, votre voix grave, votre cynisme. Vraiment, voilà, les acteurs sont formidables. J'ai rarement vu d'aussi bons acteurs sur scène en même temps. Oh, là. Franchement, on n'a pas du tout compris de quoi il s'agissait dans cette pièce, mais en tout cas, ça donne envie d'y aller parce que c'est réussi. Comment on découvre son pouvoir comique? C'est en essayant de passer de jouer des scènes tragiques et tout Moi, le monde rigole. Moi, en jouant Hermione. Oui, et quoi? Tout le monde était plié en deux. Plié. Oui. Au début, c'est vexant. Ah ben, c'était humiliant. J'en pleurais, moi. Ils rigolaient, moi, je pleurais en coulisses. Tandis que moi, personne n'a essayé de me faire jouer quoi que ce soit de tragique. Hermione, c'est malheureux parce que moi, j'adorerais. Plié. Mais si j'ai bien compris, c'était toute une troupe qui déjà jouait cette scène. Voilà. Oui, et donc eux se connaissent tous. Oui. Et vous êtes parachutés toutes tous les deux. Partie. Ils se sont tous connus à l'école, comment ça s'appelle, Studio Théâtre d'Anières. C'est comment il s'appelle, machin, Martin Barbaz, je crois. Ça, tout ça. Je peux pas me rappeler tout ça. J'ai pas de mémoire. Vous allez vous renseigner après quand vous allez commencer à jouer la pièce. Ah, vous la jouez déjà? Ah oui. C'est pas beaucoup de mémoire. En clair, faut faire un effort là. Oui, c'est vrai, j'ai pas révisé. C'est au théâtre 13, ça vous êtes sûr? Oui. C'est Paris 13e. Oh bah bravo. Absolument. Ça me rappelle Françoise Lépine. Paris 13e. Paris 13e, un personnage que vous avez joué. Et toutes les deux, je vous annonce l'arrivée sur ce plateau de Mietzou. Jérôme Bonaldi. Qui est ce jeune homme?
La semaine dernière, j'étais à Laval, Laval Virtual. C'est le grand salon, le rendez-vous pendant une semaine entière de tout ce qui se fait de nouveau d'intéressant en génie créatif, en invention sur la 3D, l'image de synthèse. Et c'est pour ça que tu es revenu avec un ami breton. Non. Alors, pourquoi il a pris Jean-Luc Lemoyne comme assistant? Il y a des étudiants du monde entier et c'est là que j'ai rencontré Takashi. Vous pouvez dire toutes les bêtises, il ne comprend pas un mot de français. Non. Ah, c'est vrai. Alors, il a une invention formidable, il n'y a que lui qui puisse la faire marcher. Alors, pour voilà pourquoi il est avec vous sur ce plateau. Voilà. Takashi, c'est son nom. Takashi. Alors, l'invention est très simple. Il faut savoir quand même que Takashi, non parce que ça c'est très drôle, vit chez Jérôme Bonaldi depuis 3 jours et demi, ben depuis oui. qu'il l'a rencontré à Laval. Ben oui, parce que c'était aujourd'hui l'émission et entre les deux, on ne pouvait pas lui payer l'hôtel, on manquait d'argent, donc on l'a logé à la maison. Quel grand cœur tu as. Non, il a un grand appartement. C'est un peu ça. Explain us, ça, voilà. Ah, il parle anglais, quand même. Non, un petit peu, un petit peu. Konnichiwa. Kono kasa wa... ここに大きな傘があって、ここにカメラがあります。そしていくつかスイッチがあって、ここにセンサーがあります。で、最後にここにプロジェクターがあります。 Tu nous traduis? Je trouve que c'est un excellent résumé de votre pièce. Alors, ce qu'il dit, c'est un parapluie simple. Il n'y a rien d'électronique. Il est d'une banalité affligeante. Il y a un petit tube. Là, il y a un appareil photo numérique qu'il a un peu bricolé. Là, il y a... Ces Japonais mettent même des appareils photo dans les parapluies. Mais si vous allez voir, c'est le prototype, mais ça va marcher. Il y a dedans un accéléromètre qu'il a piqué à un jeu vidéo. Ouais. Il y a un GPS. C'est branché sur, par Wi-Fi sur Internet. Et là, il y a un projecteur. C'est lui qui l'a inventé. C'est, quoi faire. C'est lui qui a bricolé ça. C'est lui qui a fait ça. En gros, il n'y a que des produits existants sur étagère. Il a mis ensemble des produits qu'on peut trouver, qu'on peut acheter n'importe où. Mais dans quel but ça sert? For what use? Ok. Voilà, il est branché sur Internet et il passe des photos qui est sur un site Internet. Et voilà, pour passer les photos les unes après les autres, il se sert de son manche de parapluie, il fait tac tac comme ça, tac tac d'un seul coup, voilà, hop. Et depuis 3 jours qu'il est chez vous, est-ce qu'il se sert bien de son manche? Demandez à ma femme. Is it dangerous when you walk? Oh, it's not dangerous. Oh. Non, parce que, en fait, c'est pour Tokyo. Je devrais parler anglais avec les Japonais, ils comprennent. Ouais. À Tokyo, soit il pleut, soit il va pleuvoir. D'accord. Et il y a beaucoup d'attentes. Dans les feux rouges, par exemple, vous êtes là, il pleut, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez vos mails, vous regardez les photos. Mais qui te fait les poches, c'est cool, c'est vachement. On peut inviter quelqu'un, viens sous mon parapluie voir les photos. Un petit coin de parapluie contre un coin de parapluie. Il faut que ce soit branché. Mais attendez, comme il est branché sur Internet, il peut également prendre des photos in Japanese, voilà. ここにカメラがついているので、これを使ってクリックすると写真が撮れます。Voilà. Un formidable outil pour les paparazzi. Il a bricolé un petit appareil photo. C'est discret pour un paparazzi. Encore une fois, voilà. Là, il a pris la photo. Voilà. Et quelques secondes après, hop, il y a la photo qui est ici. Et comme il est sur Wi-Fi, il l'a envoyé à sa maman. Sa maman, dans 4 sa secondes. Sa maman se demande quoi? Parce qu'elle ne nous connaît pas du tout, sa maman. Mais pourquoi elle nous envoie la photo de ces deux cons? Sa maman. Il y a un autre avantage. Comme il est branché sur Internet, vous savez comment est-ce qu'on dit GPS en japonais? On dit GPS. Voilà. Allez-y. この傘には GPS がついているので、これをスイッチ入れると。Attends, il peut trouver son chemin avec ça. Ouais. Exactement. Oh, il se branche sur un logiciel de géographie, de cartographie, et il a comme ça où il est. C'est-à-dire que tu as le plan affiché, tu es avec ton parapluie, bof, tu avances, c'est à droite, ah non, c'est à gauche. Et il est venu jusqu'à ce salon virtuel. Pour vendre son invention. Oui, parce que là, ils s'échangent des trucs nouveaux. Peut-être que c'est Laval a beautiful town? Yes. Yes. Oui. And how? Comment? Where do you sleep in Bonaldi's home? In guest room. Une guest room, dans la chambre des invités. Vous avez une chambre d'amis? Oui. Ah, tant mieux. Non, c'est pas guest room, c'est gay's room. Demandez-lui, je sais pas comment on demande ça, Caroline. Demandez-lui s'il y a beaucoup de gadgets qui sont restés chez Jérôme Bonaldi, s'il range tout chez lui. Do you know if in his house he has a lot of gadgets? Mm-hmm. Yeah. Yes. You speak Japanese. Ah, c'est non, il dit que c'est formidable chez moi et que c'est bien rangé, que je fais la vaisselle tout le Allez, temps. Allez, on va applaudir Jérôme Bonaldi et Takashi pour son invention. Le parapluie avec Internet. Voyez? Non, c'est pas mal. Même par exemple quand il pleut.
Voilà. Souvent, il pleut. Quand on va au théâtre, hein, il pleut souvent. Oui. Vous avez remarqué ça. Oui, bon. Volontiers. Ah, on va au théâtre, il pleut. Hop. Là, vous avez le parapluie, vous regardez avec l'ordinateur. Vous cherchez, alors attendez, théâtre 13, le numéro de téléphone, je suis en retard, faut que je prévienne, par où je peux passer pour aller au théâtre pour prendre un raccourci. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Vous avez vu l'enchaînement entre le parapluie et le théâtre. Pour aller où ça? Au théâtre 13, évidemment. Applaudir quoi? Le mandat. Enfin, aidez-moi. Le mandat. Voilà, Claire, le mandat. De Nicolai Erdmann. Elles y sont jusqu'au 3 juin au Théâtre 13, dans cette pièce Le Mandat, montée par Stéphane Douré. Merci à toutes les deux. Bye bye, à demain.